Si, sinon c'était un 3-2 sur le dernier. Là, on est parti pour un BO7 au petit gaming face à Space Station. Le gagnant rejoint Genji en demi-finale. Effectivement, le gagnant ira affronter Genji en demi-finale demain, puisque ce soir nous ne jouons que les quarts de finale, bien sûr. Quelle parade LJ là sur cette première tentative de la part de Daniel. Ouais, LJ qui va pouvoir écarter dans le corner. LJ, ça va être un enfer, les fils poulains. Je viens de m'en rendre compte, je te le dis. Bon courage à toi pour cette série. Arsenal qui va aller chercher le wall read, c'est manqué. LJ derrière, pas de double tap puisque Magic Bear défend le backboard. Ouais, Magic Bear, il pourra pas la retrouver une deuxième fois. Il y a Ritholz pour dégager maintenant. Arsenal, travail de relance au milieu de terrain. C'est sur Daniel, un petit peu long malheureusement pour le prodige nord-américain, toujours 15 ans. Il aura ses 16 ans en décembre, mais pour l'instant, il fait partie des plus jeunes du circuit, ça c'est sûr. Et déjà, il va pouvoir repartir. Il est devant Arsenal. Daniel, patient à la récupération sur le backboard. Il va même pouvoir repartir. Il a pas mal de boost face à Magic Bear et on arrive à passer au-dessus de son adversaire et prendre le 50 sur le deuxième. Allez, LJ derrière qui est patient. Finalement, il va aller contrer Arsenal. Mais le ballon qui file dans l'axe du terrain. Il y a eu une première démolition. Alors, on est un petit peu en difficulté du côté optique pour relancer. LJ qui va aller chercher le reset. Le fake qui ne passera pas face à LJ. Arsenal, ouais, qui va peut-être trouver LJ pour un petit 2. C'était un peu long, malheureusement. Il n'a pas pu tirer l'attaquant des Space Station. On essaye de la remettre dans la boîte. Ce sera bloqué par Magic Bear. Ritholz qui va en squishister. Wow. C'est finalement LJ qui fait la parade. Magic Bear qui parvient à écarter le danger. Mais Space Station a la main mise sur le jeu. Ouais, comment il n'est pas rentré ce ballon, hein. C'était assez phénoménal. Ritholz va pouvoir dégager. LJ à la récupération, on essaie de décaler sur Daniel, mais Ritholz a absolument tout vu. Ça va être Magic Bear avec non, il est venu challenge pour feinter, hein. Il n'avait pas de ressources, il pouvait pas aller sur cette balle. Il s'est quand même approché pour obliger son adversaire à respecter. Et ça, c'est vraiment bien joué, hein. Grâce à ça, on a récupéré un petit peu d'espace, un petit peu de mètre sur ce terrain. Et ça va même permettre à LJ de continuer son ballon. Daniel est là pour répondre. Ça passe au-dessus d'Arsenal. Mais Magic Bear est là en dernier défenseur pour la bloquer. LJ maintenant à son tour. On essaye d'aller chercher dans l'axe. AJ est là, c'est effectivement un enfer. Ritholz qui a la frappe. Daniel sera là pour écarter le danger. Ouais, attention, parce que là il y a eu un duel. Ouais, Magic Bear ne sera pas le premier. On a pu se dégager du côté de Space Station. On voit Antic qui se montre enfin un petit peu dangereux. Voilà, qui sort un peu de sa boîte, ça fait plaisir. LJ, le contrôle est un peu long. Daniel à la relance qui va y aller en deux temps. On cherche le petit preset. Ce sera renvoyé par Magic Bear dans la course de Ritholz dans les airs face à Arsenal. Il tente de passer par-dessus, mais c'est bien contré par son ancien coéquipier. AJ, est-ce qu'il peut amener ce ballon au bout? Oh, oui. C'est son intention. Ça va passer, on est trop court. Côté Space Station, Antic ouvre le score. Ouais, l'ancien de FaZe a fait tout le travail. Daniel qui décale ce ballon et AJ qui arrive quand même. Quelle première touche, c'est impressionnant. Il arrive à pas trop décaler la trajectoire de la balle par rapport à sa voiture et d'enchaîner derrière sur un air dribble. Il a pas non plus mis trop de distance entre la voiture et ce ballon. C'était vraiment une première touche magistrale. Ça lui permet d'aller chercher le air dribble derrière, ça lui permet d'ouvrir le score. Et même si Space Station était plutôt dominateur, ça n'a pas suffi pour mener les débats. Hey, on a vu que Optic est en bout de camp, hein, les caméras, ouais. qui sont apparues d'ailleurs. Je tiens à noter la ressemblance que je trouve assez troublante entre Magic Bear et Flake, ce qu'on n'a jamais vu dans la même pièce. Hein. Faites attention quand les caméras apparaissent, vous verrez, il y a un air. Attention, parce que là on est avec Ritholz qui va finalement perdre le ballon. C'est LJ qui peut dégager, mais c'est directement dans les roues de Magic Bear. Ouais, LJ qui essaye de maintenir la pression. Daniel va prendre le duel derrière, mais c'est finalement dégagé par Ritholz. Ou ce contrôle-là qui va ramener la balle directement sur le backboard. Magic Bear qui rate sa lecture. Daniel qui fait un bon décalage, mais c'est élu par la défense d'Optic. Ouais, LJ va pouvoir le décaler avec Arsenal qui tente et qui va même réussir son duel. Daniel est là en troisième joueur. 1, 2, 3, 4 peut-être, mais Arsenal va passer un petit peu à côté. Trop court le joueur de LAN, hein, qu'on connaît, on l'a vu les différents majors auxquels Space Station a pu participer. L'online, souvent, c'est un petit peu son point faible. Car là, pour l'instant, il n'arrive pas trop à faire de différence. Daniel est là pour gagner son duel. AJ a absolument tout vu. Il est premier et seul sur ce ballon. 1 minute 20 restante. LJ essaye de passer au-dessus. Ils arrivent à faire quelques différences individuelles, hein, les Space Station. Mais ça ne donne rien derrière. Ouais, c'est ça en fait. Il y a des différences, mais on n'arrive pas à aller au bout des choses. Voilà, on est toujours bloqué par un joueur d'Optic qui a une défense bien en place, hein, cette équipe d'Optic pour le moment. Mais attention, il reste encore une minute, hein, ils peuvent encore totalement se faire surprendre. Là, il y a pas mal d'espace. Daniel qui a complètement reculé. Ritholz, malheureusement, c'est un petit peu précipité. On a rendu le ballon à Daniel. Plus de boost pour lui, mais il continue son effort le long du mur. C'est dans les roues de Ritholz. Arsenal pour le compte. Ce sera repris par Magic Bear. Là, il va pouvoir poursuivre. Là, il a éliminé un premier joueur, plus énormément de ressources et il perd son duel face à Daniel. Ritholz avec un superbe duel. Pas beaucoup de buts, hein, pour l'instant dans cette première manche. Daniel, superbe reset, mais AJ était sur la trajectoire phénoménale. Cette défense,
Avec, attention, encore une fois, AJ a pu la toucher, mais il y avait un autre joueur de Space Station pour mettre de la pression. AJ va essayer de repartir. On feinte un premier adversaire. On est beaucoup trop loin pour mettre du danger sur le deuxième. Arsenal, on est passé à côté. Attention à Magic Bear, ce ballon qui va redescendre dangereusement. AJ sera sur la trajectoire. 15 secondes à tenir pour Optic. Allez, AJ qui va essayer de la mettre sur le backboard. C'est pas défendu, ça va retomber. C'est AJ qui est à la lecture. Magic Bear pour conserver le ballon dans la moitié de terrain des Space Station. Jouer un duel, gagner de très précieuses secondes. Oh, Daniel, il est très patient. Là, trop patient. Ritols lui a foncé droit dessus. Est-ce qu'on va réussir à amener le ballon au sol? Pour l'instant, il est toujours en vie. Ouais, AJ avec le compte, ça repart directement dans sa moitié de terrain. Ça pourrait être très dangereux. Attention à ça. Arsenal qui va la laisser pour Daniel. Et c'est pas vrai. Au fond, là, il fait cool. Le but de casquette concédé par les Optique avec AJ là, qui perd complètement son duel. Ritol, sa lecture est tout simplement catastrophique. Et le positionnement là des deux joueurs qui font le même move est terrible. Égalisation à 0-0. Ils ont tous hésité. C'était deux sur le backboard. Ils savaient pas qui devait aller sur ce ballon. Magic Bear qui a décidé de prendre ses responsabilités, mais c'était trop tard. Et Daniel avec un contre-pied qui arrive à mettre ce ballon dans les cages à 0 seconde. Attention, les Optiques, ils étaient pourtant si bien dans cette game. Et là, on avait un superbe centre pour Ritol. Malheureusement, il n'était pas dans l'axe du ballon par rapport au but. Et AJ, il va se faire avoir. On est avec un ballon au milieu de terrain. Magic Bear à la récupération. Il a un petit peu d'espace. Il y a eu une démolition, mais Daniel ne va pas trembler. C'est complètement open et c'en est déjà terminé de cette première manche. Space Station va mener dans le BO7. C'est lunaire cette première manche. Ah, c'est terrible de la perte pour Optic. Arsenal se contrôle de balle par contre, une fois pas deux, hein, ouais, très terrible. Clairement, parce que là il a frôlé la catastrophe, hein, le petit Arsenal là-dessus. Comment Optic perd ce match en fait? Ce but à 0 seconde, il y a tout a été fait à l'envers. Hein. Vraiment, c'est terrible. Hein. Ça part d'une balle où on n'est pas loin de la réussir à l'amener au sol, à des contres, à des placements hasardeux. Personne n'y va, on se regarde, t'y vas, j'y vais pas. Et non, et finalement, on prend un vieux but ce second but dans l'overtime, alors qu'ils avaient été si solides pendant 5 minutes. Ils avaient vraiment été bons et tout s'est écroulé d'un coup, quoi. Ouais, ils avaient réussi à ne pas trembler et j'ai l'impression que c'est ce qui fait à chaque fois la dangerosité de ces équipes qui arrivent à faire des différences, parce que là c'est ce qu'on disait sur cette première manche. Space Station en 1v1, ils arrivaient à faire la différence, mais ils n'arrivaient pas à transformer leur avantage en véritable action de but. Et c'est ce qui est terrible avec ces équipes-là, c'est que si jamais tu commences à te relâcher, c'est vrai que ces équipes-là elles font beaucoup trop mal. Et j'ai l'impression que voilà, il y a eu une petite hésitation. Contre Daniel en 1v1, bah il te la met en lucarne en fait, hein, t'as pas le choix, t'es en retard, tu te tais, c'est but à 0 seconde, et derrière cette énorme erreur qui donne l'open à Arsenal, c'est absolument terrible. Il va pas falloir que ça pèse sur leur morale, mais dans un match où l'ego est en train de parler pour notamment Ritols, et bah c'est là où, comment dire, les erreurs, bah tu les comptes double presque. Ouais, c'est vrai que là pour Ritols, concéder cette première manche face à ses anciens coéquipiers alors qu'il l'avait entre les mains, c'est le coup dur. Et attention, parce que là ça part très très fort côté Space Station avec une très jolie double tap de la part d'LJ. C'est parfaitement réalisé, la relance de Ritols n'est pas bonne. Et LJ derrière lui, par contre, l'exécution est parfaite. Ah ouais, il peut pas mieux la faire, hein, c'est sûr. Et je sais pas si t'as vu sur la cam, mais Arsenal, il a donné de la voix. Hein. Il donne de la voix et on se doute bien pourquoi. Là, il a absolument besoin de prouver ici. Il y a eu tellement de bruit sur les réseaux après ce move de bouger Ritols. Même, voilà, j'allais dire Twitter, mais pas seulement, hein, pour être tout à fait honnête. Sur Twitch aussi, ça parlait. Et évidemment, il y a besoin de prouver que c'était le bon choix pour Space Station pour l'instant. Et là, ça se passe plutôt bien. Ah, ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Mais bon, le BO est encore long entre ces deux équipes. Là, on a Magic Bear. Personne ne va retoucher le ballon avec Arsenal. Ritols qui renvoie, mais c'est directement bloqué par NJ. Il va décider de temporiser, c'est bien fait, hein, pour éviter de rendre le ballon. Ça va retomber dans les roues de Daniel qui va essayer de trouver LJ pour une redirecte peut-être avec l'aide du ceiling. Ça va retomber devant le but. Meritos était là sur le backboard. AJ, ouais, la première touche de balle était un peu longue. Arsenal a pu venir le contrer. Daniel. Sur Ritol, ça y est, un petit peu trop avancé, il va quand même pouvoir garder le ballon. Ouais, c'est plutôt bien fait sur AJ, en plus la double tap est à venir, il faut la défendre. C'est magnifiquement fait de la part d'Arsenal, Magic Bear avec le boulet de canon. Il ne sera pas assez puissant pour surprendre Daniel. Arsenal va pouvoir défendre en plus. Ritols maintenant, on essaye de passer au travers et au milieu de tous les défenseurs de Space Station. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver un tir, une occasion derrière. Et on va pouvoir du coup se dégager. LJ en plus est là pour prendre le duel sur AJ assez haut, hein, finalement. De la part du joueur de Space Station, Magic Bear à la récupération, puis prise est récupérée, on arrive à remonter la trajectoire de ce ballon, on met pas beaucoup de puissance. Ouais,
attention, parce que là on a double commit sur ce duel du côté de Space Station. La relance d'Arsenal n'est pas très bonne, ça rend le ballon directement à Ritol qui va servir Magic Bear avec pas mal d'espace dans les airs. Du boost, il élimine un premier joueur, le contre est pris face à Daniel, mais il est perdu. AJ, lui aussi là, beaucoup de boost, il va aller chercher une double tap. Oh, c'est le poteau finalement qui vient stopper cette tentative d'AJ. Magic Bear pour la remettre dans la boîte. Oh, il va manquer son flic, il a backflip au lieu de mettre le flic avant. AJ qui frappe, mais c'est stoppé par Daniel. Que d'occasion cachée par Oxy. C'est incroyable que ce ballon soit pas dedans, c'est impressionnant et ça va peser peut-être encore un petit peu plus sur le mental bleu. On va essayer évidemment de se défendre, d'asseoir encore un petit peu plus son avance avec Arsenal côté Space Station, mais ça va être tranquillement défendu. On n'avait pas de boost. Magic Bear est là, Daniel est, qui est aussi présent pour bloquer. AJ intelligemment, hein, on vient jouer avec le mur. AJ va devoir défendre, superbe retour de sa part pour tromper Arsenal. Daniel avec un bon reset pour aller chercher LJ. Double tap va être compliqué, mais il y a peut-être un troisième joueur complètement battu par Ito. Magic Bear qui a renvoyé, rendu ce ballon à Daniel. Et attention Arsenal, hein, qui a fait son exercice favori, trouver une démolition. LJ, la touche de balle, il va essayer d'en forcer une deuxième, mais il ne l'obtiendra pas. Magic Bear, hein, qui va laisser tranquillement Ritol se renvoyer le ballon. Daniel, le petit pin, ce sera sans problème pour Magic Bear. Le contrôle est bon, il a beaucoup de boost, il va pouvoir partir dans les airs avec un flip reset, éliminer LJ, servir AJ, ouais, il ne pourra pas la jouer en deux temps. Très belle petite touche de Daniel, il n'est pas mis en danger hein, là du côté de Space Station. LJ qui va rendre le ballon à AJ. Par pitié, arrêtez de jouer tous les deux ensemble, s'il vous plaît, c'est plus possible, ma bouche ne tiendra pas tout un BO comme ça. Magic Bear, c'est dans les roues de Daniel et on a du mal à se montrer dangereux là depuis une bonne minute. Ouais, AJ va peut-être essayer de te faire mentir avec une superbe touche, essayer d'aller chercher l'axe là-dessus. AJ qui au bout d'un moment va en être à sa 10e tentative de double tap d'ailleurs, hein, si on continue sur, sur cette lancée là. Il n'a pas réussi à en mettre une seule, pourtant certaines étaient cadrées, mais c'est pas suffisant pour soit il y a une défense, soit ça passe, ça s'échoue sur le poteau. Il n'a pas eu énormément de réussite pour l'instant. Une minute restante et Space Station pour l'instant tient son break. Arsenal avec un flip reset des plus étranges, mais qui était quand même efficace. Ça a failli servir son coéquipier dans l'axe. Ritol va pouvoir défendre face à Daniel, son ancien coéquipier. C'est plutôt à l'avantage de joueur d'optique fraîchement arrivé après ce mercato. AJ pour dégager, Daniel à la réception. Tout tranquillement, il a beaucoup d'espace. Il a fait un très très bon contrôle, le flip derrière pour éliminer Magic Bear. On va essayer de jouer le 50 face à Ritol. Ça va retomber dans les roues d'Arsenal. Ouais, on essaye de déborder le long du mur. Il a été bump, mais la balle file dans l'axe. Personne n'est là côté Space Station. Et c'est AJ qui renvoie. Attention AJ, il a toujours le contrôle du ballon. Il va prendre un duel intéressant face à Daniel. Ritol qui prend AJ de vitesse. Il ne pourra pas continuer, quoique il a réussi à contrer. Allez, AJ au duel. Est-ce que Magic Bear peut profiter de ce ballon? Il a pas mal d'espace. La belle passe, Ritol, c'est très bien fait. Mais un très bon retour d'Arsenal pour venir stopper cette offense. Il va même pouvoir repartir tout seul, gagner un maximum de temps. Flip reset, il était raté, mais il a gagné encore une fois l'idée de prendre un 50-50. Ça va gagner encore quelques secondes avec Daniel qui passe très agressif. LJ est là, il se soucie même pas du ballon, il est là pour prendre les boosts, il est là pour empêcher tout le monde, tous les joueurs d'optique de jouer. Arsenal va pouvoir enchaîner en plus avec un duel. Ok, AJ, il a un petit peu d'espace, ils ont réussi à sortir de cette situation. On flic au-dessus d'un premier joueur, Magic Bear a pas eu la démo, mais le rebond, il est parfait pour Optic Gaming. On s'est pas entendu, on repart de l'autre côté, mais ça n'est pas encore terminé. On est passé à côté de la part d'un des joueurs d'Optic, et ça a donné suffisamment d'espace à LJ pour mettre ce ballon au sol. Il a vu Arsenal encore, il a des choses à dire. Effectivement, très vocal, hein, l'ami Arsenal. Il essaie de s'imposer. Il a raison, voilà, de mettre peut-être la même ambiance que comme s'il était en LAN, voilà, pour lui-même avant tout, voilà, se mettre dans le ton. Ça fonctionne plutôt bien pour Space Station, même si encore une fois, je trouve cette défaite plutôt cruelle, hein, pour les Optiques au vu du nombre d'occasions qu'ils ont pu se créer. Rear Flakes, non? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc. Boyan, je vois, s'il y a un truc ou pas. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Alors qu'on les voit, on voit complètement qu'ils sont en bootcamp, bien sûr, chez Optic. Et ils vont avoir besoin. Alors, j'allais dire, ils vont avoir besoin de ce timeout. Ça se joue tellement à des détails. Franchement, AJ, il décale de 2 pixels sa double tap, c'est dedans. Il peut même faire ça sur les 2 double taps qu'il a eu. Ça fait que Optic gagne la manche. Enfin. C'est fou le nombre de détails qui jouent en la faveur de Space Station. Puis encore une fois, je pense que cette fin de première manche est fait encore mal. Ouais, très clairement. Voilà. Je pense que là, le temps mort, plus que pour changer quoi que ce soit dans la manière de jouer ou d'essayer de nouvelles choses, voilà, c'est surtout pour se remettre dedans mentalement, parce que ces deux défaites,
elles sont compliquées à digérer, tu l'as dit, voilà, ça joue bien, ils ont beaucoup d'occasions, ce qui leur manque c'est surtout de la réussite hein, offensive, ouais. Voilà, d'être un petit peu plus précis au niveau des touches de balle, alors qu'on voit voilà, du côté de Space Station, Chrome qui ne parle pas, hein, c'est Arsenal visiblement qui fait le temps mort du côté de Space Station, qui mène donc 2-0 dans la série. Il est remuant, hein, Arsenal, il tient pas en place, hein, ah ouais. Visiblement en bien meilleure forme que ce qu'il était à Dallas. Hein. On est bien d'accord, mais je pense que là, je pense que depuis qu'il a vu le bracket, en fait, hier, après les matchs de la ronde suisse, je pense qu'il a pas réussi à dormir, en fait. Là il a aucune heure de sommeil ces dernières 24 heures, hein, le pauvre. Donc il a qu'une envie, c'est de terminer ce match-là, de le gagner, évidemment, et de pouvoir dormir derrière. Parce que je peux vous assurer que sur, la scène nord-américaine, quel que soit le résultat de ce match, ça va énormément parler sur Twitter. Donc je pense qu'il a qu'une seule envie, c'est que ses notifications soient plus positives que négatives. Et pour l'instant, il est sur une très bonne voie d'ailleurs. 2-0, c'est la moitié du chemin. Ouais, de toute façon, les changements comme ça me rappelle un peu le fameux changement BDS qui vire KX, ouais. Alors qu'il monte en RLCS et qui prennent extra à la place, et tout le monde, dès qu'ils ont annoncé que l'AIX n'était plus là, waouh, comment vous pouvez faire ça, nanana et tout. Finalement, extra, il arrive, il gagne tous les matchs, et deux mois après, tout le monde a oublié cette histoire, hein, qui a disparu très clairement. Et là, voilà, là pour Space Station, il y a aussi un peu de ça dans la victoire, et là, Arsenal, avec cette double tap, eh bien, il vient encore asseoir un petit peu plus l'avance de Space Station. Elle est très originale, cette double tap, quand même, avec le side flick pour envoyer ce ballon très fort sur le backboard et aller chercher la deuxième touche derrière. C'était une superbe réalisation de la part d'Arsenal, qui encore une fois donne de la voix. Oh, attention à ce bump sur justement son ancien coéquipier Ritholz. LJ va être obligé de la récupérer. Beaucoup d'agressivité en ce début de game de la part de Space Station. Et ils ont raison, il faut surtout pas casser le rythme qui était en leur faveur. Ah, il faut continuer à mettre de la pression. On a LJ qui a pu voler des boosts. Arsenal qui tente sa chance directement. Ça a été défendu par Magic Bear. Ouais, le ballon est rendu à Daniel. Il y a une démolition, c'est open. Voilà le travail d'Arsenal qui porte ses fruits. Cette démolition qui laisse le but complètement vide d'optique, ça fait 2-0. Ouais, c'est le deuxième joueur nord-américain en termes de démolition, comme évidemment indétrônable. Hein, ça ne sera pas pendant un bon moment encore. Mais il vient bien prouver pourquoi c'est lui qui à chaque fois arrive à libérer de l'espace grâce à ses bumps, grâce à ses démos. Et c'est pas demain la veille qu'on arrêtera de marquer des buts grâce à lui et à ce move. Pour l'instant, on va essayer de répondre de la part d'Optique. Avec Ritholz, peut-être qu'il va chercher dans l'axe, mais Jay, il est là depuis hier pour la récupérer, cette balle dans l'axe. Ouais, il avait tout vu, effectivement. Attention Arsenal qui va chercher un contre face à AJ, ça ne fonctionnera pas. Ouais, Daniel qui s'est complètement raté là-dessus, AJ qui peut poursuivre sa route, aller prendre un 50. Magic Bear derrière qui va rendre le ballon à LJ. La relance est manquée, c'est finalement Arsenal qui s'impose dans le duel face à Ritholz. Magic Bear pour le remettre sur le backboard où Arsenal attendait ce ballon tranquillement. AJ, par des double tap, c'est contrôlé par Daniel. Arsenal va essayer de s'échapper, peut-être retrouver son coéquipier qui n'a pas pu frapper. Ritholz égale. AJ, pas de double tap. AJ était là sur le wall. On va même réussir à battre un deuxième joueur. Daniel très patient pour aller récupérer ce ballon. Il était dernier défenseur. Il a complètement évité le 1v3 de l'ancien phase. Magic Bear va pouvoir repartir. Préflip pour passer un premier joueur. Ça ne sera même pas le cas. Arsenal qui a bien anticipé la situation. AJ, on passe un premier. Peut-être un reset pour le deuxième. On arrive à battre Daniel. Est-ce qu'il va faire son 1v3? Non. Le troisième et dernier joueur est toujours là pour lui bloquer le succès. Ah, et Magic Bear qui va se faire contrer par Daniel. AJ dans les airs, il cherche quelqu'un dans l'axe, mais il n'y a pas de coéquipier, ça retombe dans les roules d'LJ qui ne s'embarrasse pas, hein. Il dégage très très loin ce ballon. Ah, Ritholz qui va prendre un duel intéressant, attention, il y a une démolition, Arsenal qui va s'envoler. Ah, il a esquivé le bump de Ritholz, ça retombe dans les roues d'LJ, ça fait une passe pour Daniel qui va trouver Arsenal rester aux avant-postes. On essaye de mind game un petit peu, mais ça ne fonctionne pas face à Magic Bear. Daniel qui récupère très haut, est-ce qu'il peut aller faire la différence? Encore, il a été gêné par Ritholz, mais le ballon est toujours dans la moitié de terrain des optiques. Ils perdent 2-2 buts alors qu'on a passé la moitié du match de 3 buts, donc Daniel rate l'open. Incroyable, incroyable, un ballon très rapide, hein. Il n'a pas eu le temps de s'ajuster, il n'est pas passé loin, mais pour un joueur qui est spécialisé dans le 1v1, un des meilleurs joueurs 1v1 de la planète et surtout d'Amérique du Nord, c'est quand même impressionnant de rater un open comme ça. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il s'en mord pas vraiment les doigts, il continue à avoir la phase de pression, à garder la possession du ballon aussi. L'image de Daniel qui va pouvoir la récupérer même s'il est mis en danger par Ritholz.
et surtout des débuts d'avance hein, qui peuvent absolument tout changer et permettre la quadruple balle de match en quart de finale. C'est impressionnant et surtout contre son ancien coéquipier Rito Schleyer avec la frappe. Oh attention Arsenal, il a fait la meilleure save possible mais pas sûr que ce soit prévu comme ça. Ah, ils ont une chatte en plus, s'ils ont ça en plus c'est terrible hein, parce que là Arsenal je suis désolé hein, il essaye de la dégager hein, mais c'est un miracle hein, que ce ballon ne rentre pas. C'est triste pour Optique hein, là vraiment y a rien qui va pour eux. Oh là là, il trouve la part transversale là-dessus. Ritol sur ce double city, Sheiji qui trouve le poteau, ça ne veut pas rentrer là, qui se coule, c'est terrible. Eh, si jamais j'avais une carrière, je peux t'assurer qu'elle s'arrêterait ici si j'étais à la place de Ritol. Hein. C'est terrible. C'est absolument terrible. Alors on parle vraiment d'un univers très 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 hypothétique. Mais si jamais il était vrai, là, ça ferait beaucoup trop mal. Il va devoir River Sweep, c'est vraiment ça qui va se passer. Ritos, encore une fois, le 50, il est à son avantage. Mais c'est quand même pas cadré. L'AJ pour essayer de la remettre. Oh, les trois joueurs d'Optique qui sont dans le corner pour essayer de mettre la pression. Et c'est toujours pas suffisant pour aller chercher une démo, pour aller chercher une ouverture. AJ pour repartir. Il y a Arsenal très rapide sur le ballon qui va reprendre la possession du ballon à une minute de la fin. C'est le pire scénario pour Optique. Ouais, il va falloir réussir à trouver deux buts, mais ça semble compliqué, hein. Ils en ont mis qu'un pour l'instant dans cette série. Peut-être allez, le deuxième ici, avec AJ finalement, qui va réussir à trouver une ouverture. Allez, voilà, il faut que ça lance un peu cette équipe d'Optique. Bien évidemment, on a toujours un petit peu en tête le match numéro 1, mais il faut passer à autre chose. 45 secondes encore pour revenir. Ouais, il y a du temps. Le alors peut-être est permis, largement permis. Pour un Optique qui pour l'instant ne fait que manquer de réussite, tout simplement. Et c'est triste à dire, mais il y a des fois Rocket League ça se joue sur des détails et des fois ça peut se jouer sur la réussite. AJ, superbe frappe, mais quelle parade aussi hein, de la part de LJ. Ritos peut-être, mais encore une fois là, je recrute de Space Station qui sera plus rapide. La frappe derrière est magnifique. AJ va être contraint de se jeter. On va pouvoir gagner encore quelques secondes avec Arsenal notamment qui met la pression, qui vient un bump, qui vient gêner. Daniel est là en plus pour faire bloc. Superbe deuxième duel de sa part. LJ est là pour mettre le ballon au fond. Quelle masterclass de Daniel. Ouais, très très bien joué hein, de la part de Daniel. Magic Bear qui. Ouais, il a hésité, il a voulu y aller. Finalement, il était trop loin, il a rien fait. Un petit peu perdu, Magic Bear, ouais. Hein, sur la série. On le voit pas trop. Très discret. Il a du mal. C'est le joueur qui a le moins d'expérience en vrai de tous les joueurs qui sont présents sur le terrain. C'est lui qui a joué le moins de matchs à enjeu, hein, que ce soit avec Alpine ou avec Torrent. Donc il va lui falloir un petit peu de temps, bien sûr. Mais c'est dur, c'est vraiment dur pour Optique. Autant ce match, moins. Je trouve que Space Station a vraiment été plus dominant. Hein. Voilà, les deux premières minutes 30, il n'y a pas à dire. Space Station a complètement le match en main. Après, Optique arrive à jouer un peu. Ils reviennent, ils relancent le suspense. Mais voilà, cette victoire pour Space Station, je la trouve plutôt méritée comparée au match précédent. Mais on aurait aimé voir cette série avec une victoire d'Optique au premier match. Ouais, on est un petit peu d'accord. Et puis c'est bête, mais même si dans les faits, effectivement, il y a cette super table d'Arsenal, on le voit en plus pop-up, voilà, si jamais vous n'étiez pas sûr qu'Arsenal avait envie de gagner, là, normalement, c'est clair pour tout le monde. Mais tu vois, malgré cette manche qui paraît effectivement un petit peu moins équilibrée, on se dit Space Station menait un petit peu plus les débats, il y a toujours une phase de pression, deux phases de pression où tu te dis mais comment le ballon il rentre pas, la save d'Arsenal qui est censée partir en lucarne et qui est save parce que Daniel il passe sur le côté, il y a un rebond un peu avantageux bizarre et ça rentre pas, Ritos derrière qui a un Doom Siddish gratuit qui le met sur la barre, enfin il y a trop de situations où Optique ils sont censés nous emmener au moins en overtime, peut-être pas gagner mais au moins nous emmener en overtime et nous montrer un petit peu plus d'adversité par rapport à ce qui se passe hein, tout simplement. 3-0 dans ce BO7 pour l'instant, c'est ultra cruel. Ouais, c'est plein de belles promesses, mais ça ne va pas au bout. Côté Optique, il y a un River Sweep à aller chercher qui serait extraordinaire pour cette équipe. On va voir s'ils vont réussir à le faire, mais la route sera longue et ça semble extrêmement compliqué face à des Space Station qui jouent bien hein, Rocket League sur cette rencontre. On est déjà lancé depuis plus de 20 secondes. Et on a Optique à l'attaque. Et là, c'est allé très vite la connexion entre Magic Bear et AJ. C'est un missile qui finit au fond du but de Space Station. Mais alors là, pour parler d'actualité, il a des réflexes de pilote de Formule 1, le AJ. Hein, parce que cette passe dans l'axe, il fallait la voir venir ou l'anticiper. Ou alors très vite appuyer sur sa touche de saut et de tonneau. Sinon, tu la mettais pas. Impressionnant, AJ, sur cette phase de jeu. Et impressionnante aussi cette passe. Qui était absolument fulgurante. Là, la défense, réussite ou pas, tu te testes dedans. Ouais, pas grand chose à faire, hein, malheureusement, pour la défense sur cette très jolie action du côté
des Optic. Allez, Arsenal pour essayer de trouver Daniel dans la classe et aller vite, mais ça a été touché par Magic Bear. Ça revient dans les roues d'LJ. Rituals qui sort vers le duel, mais ça profite à AJ qui dégage. Rituals peut-être pour aller prolonger ce ballon. Ce sera sans problème pour Arsenal qui va trouver Daniel sur le backboard. Quoique Magic Bear était là, on embuscade Rituals qui loupe le plus simple. C'était open, Life is Cool. Ouais, et ça fait mal. Attention à la contre-attaque maintenant. On va aller chercher LJ. Heureusement, on s'y attendait de la part de la défense bleue. Daniel va pouvoir repartir. On essaie d'aller chercher Arsenal. Le dunk est intéressant. Ça va obliger Rituals à repartir sur cette balle. Magic Bear, pas de touche de sa part. Il a préféré la jouer patient. LJ va pouvoir dégager. LJ maintenant à la récupération. On décale sur Daniel. Double tap possible. Il va peut-être la mettre d'ailleurs. Évidemment qu'il va le faire, Daniel. Ce genre de balle, on le connaît. Il est tellement précis mécaniquement. Il est chirurgical que ça finit dedans si tu rates la lecture backboard. LJ, il n'a pas beaucoup de boost. Hein. Du coup, il fait une lecture un petit peu hésitante et il se rate tout simplement. Pas forcément une lecture hyper facile pour lui, mais je pense qu'elle était à sa portée. Quand même, il aurait pu faire mieux AJ là-dessus. Logiquement, il est puni par la double tap de Daniel. Un partout, et attention là, ce tir très très lointain. Magic Bear est forcé à la parade, ouais, le duel derrière dans le corner. AJ qui se rate, Arsenal qui cadre. Bon retour de la part de Rituals, on n'est pas passé loin du deuxième but. Ouais, ou Daniel, quelle patience pour prendre le 50 en plus derrière avec le flip. Magic Bear la récupération, quelle vitesse de sa part, l'ancien Torun qui va réussir à prendre le duel. Daniel est un petit peu mécontent de voir ce ballon lui foncer dessus. Il a quand même réussi à bien s'en sortir. Parce que SpaceStation pourra défendre cette phase de jeu là. Elle est peut-être pas terminée, cela dit. Quoique avec la récupération d'Arsenal, Flipprise est récupéré en plus. On passe au-dessus, on prolonge son ballon. Il y a LJ en plus pour continuer, mettre ça dans le corner. Ils vont réussir à sortir d'une situation qui paraissait complexe. Oh Daniel, cette patience. Vas-y, c'est les cabrioles. Moi je me replace. Et attention parce que là il y a eu deux démolitions, il est tout seul, AJ, ouais Arsenal. Oula. Ah, Daniel qui avait fake AJ mais ça n'était pas cadré malheureusement cette tentative d'Arsenal. Je sais pas trop si c'était une frappe ou une passe en vrai, mais on a manqué une belle occasion là du côté de Space Station sur ce 3v1. Ah et Daniel qu'on va retrouver au contrôle de balle, c'est manqué. Magic Bear il a un bon coup à jouer là-dessus, le flic a très très bien enclenché, il peut quand même récupérer un contre face à Arsenal. Rituals derrière la passe, ce sera bloqué par LJ. Arsenal il a un boulevard, c'est une passe pour Daniel complètement ratée. Quelques petites imprécisions quand même du côté de Space Station aussi offensivement dans ce quatrième match. Ils auraient déjà pu largement avoir l'avantage là. On est bien d'accord. Je sais pas s'il a hésité entre le tir et la frappe en fait. Parce qu'il se met en position pour la passe relativement tard. Et je pense qu'effectivement l'hésitation dans Rocket League, vous le savez, on a eu maintes exemples au fur et à mesure de cette soirée et même à chaque soirée RLCS de toute manière. Arsenal à la récupération, cette fois-ci c'est bien joué, on passe en dessous d'AJ, on va aller chercher LJ en plus, ça se trouve bien de la part de SpaceStation, mais c'est défendu par Magic Bear, l'ancien Torun qui va être bloqué par Daniel. AJ maintenant c'est à lui de faire le travail, mais Daniel toujours, il est là avec sa patience et il gagne duel sur duel. Attention là par contre on a été un petit peu trop patient du côté de LJ, Arsenal qui a fait un ménage pour que ce ballon revienne dans les roues de Daniel, ça va finir au fond. Non, c'est bloqué par la très belle lecture d'AJ et Magic Bear derrière depuis le backboard qui renvoie, mais ça va revenir avec Arsenal qui écarte le jeu vers LJ. Est-ce qu'il y aura quelqu'un dans l'axe? Non, LJ il est tout seul, il doit aller faire la différence. Ouais, ça revient sur Arsenal, il a réussi à éliminer deux joueurs. Magic Bear qui backflip, mais ce sera sans danger pour la défense d'Optic alors qu'on va arriver dans cette dernière minute de jeu. Arsenal, la ressource nécessaire pour aller prendre un 50 face à AJ. On est un petit peu bloqué dans ce corner bleu. AJ va essayer peut-être de relancer le ballon, ce sera bloqué par AJ. Magic Bear cette fois-ci va pouvoir faire respirer Optic. Daniel à la récupération, cela dit, ça revient, ça passe le milieu de terrain, mais Rituals va pouvoir tranquillement revenir sur ce ballon. Quelle frappe! Arsenal a failli être surpris, mais pour l'instant ça fonctionne. Magic Bear, peut-être le bump, alors que Boyan se trompe toujours de sourd. Il dit mais ça c'est un autre débat. Daniel qui va aller chercher le bump. LJ de son côté toujours bloqué au milieu de terrain. Ça y est, avec Arsenal c'est fait. LJ on la laisse passer. Arsenal peut-être qu'il faut. Il était tout seul, il avait de l'espace, il le savait. Ah, Rituals qui a un petit peu trop patienté, LJ qui est venu prendre le duel et attention Arsenal qui va essayer de la jouer en deux temps, ça a été bien bloqué, ouais il y a eu un bump d'Arsenal, Daniel dans les airs, le flip reset, il passe par-dessus Rituals, il va chercher un bump à son tour, c'est défendu par AJ qui arrive à la toucher en deux temps, c'est très très bien fait, on est dans les 10 dernières secondes, ouais, le duel là au milieu de terrain, Arsenal sans boost qui va se faire contrer par Magic Bear, LJ qui se fait contrer à son tour par Rituals, Daniel il va pas falloir se rater, Magic Bear est dans les airs, ça peut profiter peut-être à AJ, la balle frappe le sol. PlayStation est à un but des demi-finales. Enfin un overtime dans cette série. Enfin par rapport à ce qu'on voit sur le terrain depuis le début du BO, ça méritait que ça arrive un petit peu plus tôt, mais c'est là. Et effectivement, on est à un but, on est à une belle action. Une demi-finale pour PlayStation face à Genji. Et surtout un 4-0, le pire possible, ça n'arrivera pas.
finish, 14 secondes seulement, et Optic Gaming met enfin son point dans ce BO sur un bump sur LJ et Daniel qui décale ce ballon, qui le donne maintenant. Très drôle ce petit parking de la part de Rituals et Magic Bear. ils se sont stoppés les deux effectivement, mais c'était pour le bien de l'équipe, hein, très clairement qu'ils ont fait ça. Un peu du trolling hein, quand même, cette passe en retrait d'LJ, extrêmement risqué. Je pense qu'il aurait juste dû laisser Daniel foncer sur la balle, quitte à prendre un 50, plutôt que de se risquer à ce genre de passe. En tout cas, Optic, enfin, qui vient remporter une manche plus que méritée hein, dans cette série. Ça aurait été dur pour eux, ça aurait fait mal de les voir s'incliner 4-0. On a eu encore une fois un match extrêmement serré entre deux belles équipes. Hein. Il y a eu quelques petites imprécisions des deux côtés. En vrai, Rituals, ils ratent un open au début de match. Oui. PlayStation, s'ils négocient mieux deux ou trois coups, ils ont des buts faciles à trouver. Mais c'est Rocket League, ça va vite, il y a des erreurs et on se retrouve eh ben, avec un Optic Gaming qui a entamé un reverse sweep, LifeSco. Ouais, qui a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Parce qu'on sait que SpaceStation, si jamais ils commencent à rentrer dans leur rythme, en fait, ça va être très dur hein, pour Optic de garder justement cette défense intacte. AJ, phénoménal, auteur d'un doublé, MVP sur cette manche qui, pour l'instant, prouve vraiment que c'est un joueur top class. Hein. C'est assez impressionnant le travail qu'il arrive à fournir. Petite erreur de sa part défensivement sur la double tap de Daniel, mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher sur cette manche. Et ça va peut-être lui faire du bien de plus être dans l'ombre de First Killer, dis donc. Ouais, effectivement, il va peut-être pouvoir se libérer un petit peu, l'ami AJ. Allez, on est parti pour le cinquième match de cette série avec Magic Bear à la récupération. Voilà, ça sera repris directement par Daniel qui arrive à éliminer Rituals. Et attention, il a récupéré le boost, il est accompagné par Arsenal, Philippe Grisette. Voilà, c'est directement rendu à AJ. Ça va être repris par LJ au milieu de terrain. Daniel a décidé de ne pas aller sur ce ballon. On joue la patience, mais attention, parce qu'AJ était pas loin d'une superbe lecture. Rituals n'arrivera pas à mettre ce ballon dans l'axe du but. AJ, superbe double 50-50. On gêne Daniel pour la relance derrière. Ça va permettre à Magic Bear de repartir dessus. Trop hésitant, ça, pour le coup, de la part de l'ancien Torrent et de la nouvelle recrue d'Optic. Rituals va la laisser à son coéquipier. LJ a vu le coup venir. Il arrive à bloquer. Tour de Magic Bear maintenant d'essayer de faire parler ses mécaniques. Il arrive à prendre le duel, mais il n'est pas gagnant. Surtout, Daniel, double tap tenté. Double tap, elle est magnifique. Il n'arrivera pas à cadrer cette balle si difficile à mettre. Ah, ça a été arrêté hein, par AJ qui a touché le ballon. Il a été crédité de la save parce que Daniel, je pense qu'il avait réussi à trouver l'angle hein, pour rabattre suffisamment ce ballon, ce qui était extrêmement compliqué. On le retrouve ici, Daniel, avec le petit décalage pour Arsenal. C'est bien fait, on n'est plus du tout en place côté Optic. Daniel qui va avoir un free shot, ce ne sera pas cadré cette fois-ci. C'est Rituals qui peut dégager. Arsenal à la récupération, qui va la retoucher. C'est dans la course d'LJ. Oh. Attention à cette double tap, cette fois-ci le backboard est raté. Ouais, finalement, il y avait eu une première parade sur la ligne, mais c'était trop de pression du côté de Space Station qui finalement ouvre le score. Alors là, Daniel, il a vu ce ballon. Je peux t'assurer qu'il est bien rentré dedans avec, hein, ça c'est sûr. C'était à bout portant, il a mis une patate et c'est la double tap d'LJ qui fait tout, hein, qui oblige Magic Bear à défendre sur sa ligne et à ne pas pouvoir remettre ce ballon suffisamment loin. En tout cas, ils prennent l'avantage des Space Station et virtuellement sur le même score que Genji il y a quelques dizaines de minutes, les rejoindre en demi-finale de ce premier championnat régional nord-américain. Vitals va pouvoir décaler sur AJ, on essaie de garder la possession du ballon, mais compliqué quand t'as plus de voiture. Ouais, attention, l'Arsenal il est bien au-dessus de Magic Bear, mais le ballon est rendu à AJ. Hein, on essaye de trouver Magic Bear resté aux avant-postes. Il tente le pinch, mais c'est complètement raté de la part du joueur d'Optic. LJ, la relance elle est propre. Le flip reset, il n'est pas accompagné malheureusement. Une bonne sortie d'AJ qui arrive à éliminer Arsenal. C'est un 2v1, 3v1 même. Mais on hésite, on se regarde un petit peu et du coup, on a perdu la vitesse, on a perdu le momentum sur cette action côté Optic qui n'a absolument rien donné. Magic Bear qui essaye de trouver Rituals. Oh, le contre est parfaitement pris face à Arsenal. Ce n'est pas cadré, mais on s'embrouille un peu du côté de Space Station. Finalement, on parvient à éloigner le danger. Ouais, AJ qui va se faire contrer par Arsenal. Magic Bear, oh, il a tenté la passe avec lui par AJ, mais il s'est complètement raté. Oui, et Daniel va pouvoir repartir avec un petit peu d'espace. Le flic est magnifique. T'as quelle précision, Daniel, à chaque fois qu'il a l'espace pour faire ses moves. Hein. C'est assez phénoménal. AJ va, avec le bon backflip, on va mettre ce ballon en l'air. Rituals à la récupération. Encore un flip reset. Mais Arsenal, il voit tous les resets arriver de loin en fait, hein. Donc systématiquement dès qu'un joueur d'Optic prend un reset, il y a Arsenal qui est là et qui lui saute dessus. Il s'agirait de potentiellement changer un petit peu de move parce que j'ai l'impression que le joueur de Space Station il le voit venir. Cette fois-ci ce n'était pas le cas et la preuve, il a réussi à passer. AJ va pouvoir quand même aller chercher Magic Bear là-dessus, puis prise Z. Cette fois-ci il est récupéré, il n'était pas mis en danger. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas eu en fait.
Soit il l'a pas eu, soit il a tenté le petit mind game. Le mind game en vrai était plutôt bien senti. Il manquait un peu de boost pour aller au bout de son intention. Allez, là on est dans la moitié de terrain des optiques, pas pour longtemps, avec Magic Bear qui va trouver AJ le long du mur. Il y a Ritols dans l'axe, le décalage était plutôt pas mal fait, mais Arsenal encore une fois était bien vigilant hein, pour stopper la frappe. Allez, Magic Bear, le contrôle de balle, il est bon, il va falloir réussir à accélérer. Il a éliminé un premier joueur, AJ derrière sera finalement bloqué par Daniel. Ouais, Arsenal qui a récupéré du boost, qui va aller être contré par Ritols. LJ à la relance, pas énormément de ressources, on va jouer le 50, hein, c'est compliqué hein, pour lui d'aller rejouer ce ballon. C'est Daniel qui va se charger de la suite, qui tente de la remettre dans l'axe, mais il était tout seul. Ouais, Ritols pour AJ, le 1-2 est magnifique, pas de double tap, il a été bump et de toute manière Daniel était là. Superbe deuxième touche d'ailleurs de la part du prodige de Space Station. Arsenal va pouvoir repartir. Daniel est là pour encore une fois la décaler, qu'elle travaille avec le 1-2 du côté d'Arsenal. C'est bien récupéré. On n'a pas énormément de boost, mais on fait le travail. Attention quand même à cette redirect. C'est un boulet de canon. Daniel sera là pour faire le travail défensif nécessaire. Il est bump, mais il arrive quand même à faire le mur. C'est impressionnant. Les touches et les duels qu'il est en train d'enchaîner pour l'instant. Ritols, c'est très fort. Il n'y a personne et le chrono tourne. Le chrono tourne, effectivement, on arrive dans les 30 dernières secondes et toujours ce petit but d'avance pour Space Station. Et attention, cette mauvaise passe d'AJ, ça va retomber là dans les roues d'LJ, il n'a pas de ressources, c'est compliqué, il ne pourra pas jouer ce ballon. C'est finalement renvoyé par Ritols, c'est Arsenal qui la touche, mais est-ce que ça aide vraiment Daniel? Non, il se rate complètement, la frappe de Magic Bear n'est pas cadrée, heureusement pour la défense de Space Station. LJ qui va aller dans l'axe, peut-être essayer de gagner du temps, voilà, en remportant ces duels, ces flics, une démolition et on est dans les 10 dernières secondes. Quel travail effectué par LJ. Daniel qui ne pourra pas marquer là-dessus, peut-être une dernière opportunité du côté optique. Arsenal, hein, le ballon est toujours dans les airs, mais LJ qui vient le dunker, est-ce qu'il peut l'amener au sol? Magic Bear à la lecture, life is cool. Est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout, optique? Oh, ça va être dur. Ouais, Daniel qui va le bloquer et Daniel qui l'a même accompagné jusqu'au sol. Cette balle, Space Station vient écraser en tout cas sur le score 4 à 1, les Optic Gaming. Arsenal et Daniel se sont défaits de leur ancien coéquipier Ritols et ils viennent se qualifier pour les quarts de finale. C'est un top 4 minimum pour un Space Station relativement attendu hein, finalement comme résultat de la part d'une équipe qui s'en sort si bien et qui a écrasé que ce soit le top 16 qualifier et que ce soit le Swiss Stage qui s'est passé hier. C'est voilà, c'est une équipe qu'il va falloir attendre au top niveau RLCS nord-américain, potentiellement monde. On verra sur les majors, il y a encore quelques temps avant que ça arrive, mais les faits sont là pour l'instant. Ouais, il va falloir compter avec Space Station cette saison, effectivement, et peut-être même avec Optic, hein, en vrai, hein, qui nous a montré un beau visage. Hein, ce 4-1, il est dur quand même hein, pour Optic. Tous les matchs se jouent à un but, quoi. Donc c'était vraiment extrêmement serré entre ces deux équipes. Une belle série, honnêtement, c'était kiffant. J'ai préféré cette série au Virtuan One Gen.G qu'on a eu avant, même si c'est des Européens qui sont imposés. Là, je trouve qu'en termes de niveau de jeu, on a monté un petit peu d'un cran. Donc espérons que ça continue comme ça pour la suite de cette soirée. C'est tout ce qu'on attend. On veut voir du haut niveau, cette scène nord-américaine qui a eu énormément de nouveautés et de changements. Bon, pas autant que le mercato européen chaotique qu'on a pu avoir, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même de belles nouvelles équipes et on peut notamment penser aux fraîchement arrivés Furia et Gen.G pour ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va se préparer à recevoir FaZe face à... J'allais dire la surprise, mais en fait la surprise de Shopify, c'était surtout le fait de ne pas les avoir vus pendant le top 16 qualifiers. Psyonix avait décidé de ne pas les mettre. Visiblement, ils leur ont prouvé qu'ils avaient tort en se qualifiant pour le top 8 directement et les phases finales de ce premier championnat régional. Shopify donc va affronter les grands FaZe avec First Killer à leur côté tout simplement. Ce sera après une petite pause, j'ai l'impression, fini chez ça. Exactement, une petite pause, 5 minutes, et on revient très très vite. Rocketto.
Et nous sommes de retour pour la suite de cette soirée RLCS nord-américain. On a vécu les deux premiers quarts de finale. Voilà, on connaît donc la première demi, GNG face à Space Station. Ça, ce sera demain. Il nous reste encore deux matchs à suivre. Le prochain, FaZe face à Shopify. Bashi est de retour. C'est chaud, Bashi, ça va? Ouais, je suis chaud. Alors, vous étiez en train de dire en off que vous commenciez déjà à en avoir marre de FaZe, oui, parce que vous les avez vus trois fois hier. Vu que je les ai pas vus hier, moi, je suis giga chaud de commenter FaZe. Shopify, c'est une équipe qui a fait des bons résultats. Ils ont battu V1, hein, je crois, hier, notamment dans la ronde suisse, même si bon, on a vu que V1, c'était peut-être pas non plus leur top état de forme en ce moment. Mais il y a un monde où c'est un joli match quand même. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on l'espère, effectivement. FaZe hier, c'était pas mal, mais on sent que ça se cherche encore. Voilà, il y a encore moyen de faire mieux. Forcément, il y a eu un changement, hein. Le départ d'AJ est remplacé par Miss, donc il y a des automatismes à trouver, la pression du premier tournoi, tout ça, on connaît, c'est pas toujours évident. Alors que Shopify, bah ouais, cette équipe qui sort un peu de nulle part en vrai, hein, qui avait complètement disparu la saison dernière du Rocket League nord-américain, qu'on n'a quasiment pas vu de la saison, qui là arrive avec Memory, Toupis et Parse, voilà, donc des joueurs qu'on connaît, qu'on a déjà vus, et qui a fait une très très belle ronde suisse hier. Et comme l'a dit Life is Cool avant qu'on se laisse pour la pause tout à l'heure, une équipe qui n'était même pas invitée dans le top 16 qualifier par Phoenix. C'est vrai, une équipe pas invitée du tout. Ah, c'est dur pour eux, hein, quand même, de ne pas avoir été invité dans ce top 16. Mais effectivement, ils ont traversé les day 1, day 2, day 3, des qualifiers. Et pour arriver tout simplement jusqu'ici, bien joué à eux. On va voir s'ils peuvent continuer de progresser dans ce tournoi. C'est un gros adversaire qu'il y a devant eux. FaZe, je pense qu'avec G2, c'est quand même parmi les favoris de ce premier régional nord-américain. Donc on a un gros chemin, mais pour l'instant ils ont l'air chaud. On va voir si cette équipe de, comme tu l'as dit, de joueurs qu'on connaît, qu'on voit depuis longtemps, Memory chez Ghost, Parse, je crois qu'il était déjà chez Shopify, si je dis pas de bêtises, en fin de saison dernière. Et Toupis, j'ai un doute, mais voilà, c'est un joueur qu'on voit dans pas mal de rosters, qui a beaucoup bougé dans les rosters aux alentours du top 10 NA. Donc à voir ce que ça donne pour l'instant sur le papier. Ça fait pas rêver, mais peut-être que ça joue très bien. Ouais, sur le terrain, au vu des résultats, en tout cas, c'est assez convaincant. Deux équipes qui ont fini à égalité parfaite hier dans la ronde suisse, hein, en 3-1, avec une différence de 2+4. Hein, voilà donc pourquoi elles s'affrontent aujourd'hui. Allez, on est pour l'instant dans la moitié de terrain de FaZe, pas pour longtemps, avec ce tentative de double tap de First Killer. Ça va finir au fond. C'est First Killer, ça fait 1-0. Ouais, bien joué, tout simplement, de la part de First Killer, pas de question. Hein, Memory est très en retard sur son challenge, la passe va très vite, First Killer dans cette position. Évidemment, j'ai envie de dire que c'est but, heureusement, on parle quand même de First Killer. Personne n'en a douté, hein, de toute façon, que cette balle allait rentrer. 1-0 pour FaZe qui attaque très très fort cette première rencontre. Ok, Toupis qui va faire la parade, j'ai eu un petit peu peur sur le coup parce qu'il va pouvoir envoyer depuis le backboard, directement sur Toupis qui perd son duel face à CP Call. Memory, ouais, qui est dépossédé du ballon par First Killer. Parse en marche arrière, qui essaie de relancer, c'est pas très très bien fait. Miss qui va la mettre au-dessus de Memory, qui trouve un bump. CP Call à l'aide du ceiling, c'est une double tap, mais First Killer n'est pas là pour suivre. Allez, parce qu'il va réussir à se dégager, puis prise est obtenue, il s'en servira pour passer au-dessus de First Killer. Miss qui va réussir à faire la dernière touche salvatrice. Ouais, First Killer, de ne pas complètement se prendre le poteau quand même quand tu es en train de faire ton demi-tour. CP Call qui va essayer de jouer de temps, c'est Toupis qui peut la reprendre. Il a beaucoup d'espace, Toupis, il n'arrivera pas à prendre son reset, mais le duel est parfait. C'est très certainement ce qu'il voulait faire, ou alors il s'est extrêmement bien adapté. Mais très bien joué, c'est l'égalisation des Rebellion. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'en sort bien, hein, quand même. Je sais pas s'il voulait faire un reset ou s'il a voulu fake. Tu vois, je me dis peut-être c'était prévu, j'en sais rien. Peut-être. On lui posera la question, hein, voilà, à la fin du BO, bien sûr. À notre très cher Toupis, hein, qu'on connaît extrêmement bien sur Baguette, avec qui on a déjà eu beaucoup de contacts. Hein, il a même failli venir caster un jour sur cette chaîne, pour tout vous dire, Toupis. C'est totalement faux, bien évidemment. Un partout, en tout cas, il a été efficace sur cette action. First Killer là, qui est allé chercher un contre, mais ça n'a pas servi à son équipe. Attention à Memory là, qui a été bloqué au milieu par Mist. Ouais, Toupis, on le retrouve ici, ce sera sans problème pour Mist. Va contrôler la balle, le bon duel, attention quand même, ouais, parce qu'il va arriver lancer Mist qui va réussir à parfaitement corriger la situation avec son dégagement depuis le backboard, parce qu'il va se... Non, qui se fait voler la balle par First Killer. Memory qui est mal positionné, pas de soucis, on
a du temps du côté de Memory. Il va un peu rendre la balle à Mista pour être dangereux quand même. Cette balle qui arrive dans l'axe, c'est Parse qui va pouvoir la défendre. Récupération de Toupis. Le contrôle de balle, la position de compte sur Mist. La très bonne démolition de Cipicol. Ça va donner une phase offensive là à Faze. Mist, le petit décalage pour First Killer. Il y avait deux joueurs sur la trajectoire. Et là c'est Cipicol qui va devoir défendre. Il arrive à éliminer Parse. Parse Killer derrière pour aller au prolongé. Ce ballon, pas de double tap, ça fait une jolie passe pour Mist. Le tir est très puissant. Et surtout le tir est parfaitement placé. Bashi, ras du poteau. Mist qui vient nous régaler là-dessus. Ouais, sublime, sublime la fake double tap, on pourrait dire, de First Killer. Le problème c'est qu'il vient en caler une très jolie. Juste derrière, t'es obligé de te méfier un petit peu de voilà, est-ce qu'il va réussir à la mettre sa giga double tap. Et du coup ça donne une énorme passe à Mist, qui comme tu l'as dit, là est extrêmement bien utilisé. Les Faze qui jouent bien pour l'instant dans cette première game pour aller s'offrir l'avantage à la moitié du temps imparti. Memory dans les airs, la touche est complètement ratée. Ouais, c'est pas tout. Il y avait le coéquipier Parse, je crois, dans le prolongement. Toupis, Memory, c'est sur le backboard, c'est défendu par Mist. Pas beaucoup de boost hein, pour Mist pour relancer. Il va être contré par Parse. Ouais, Parse Killer avec le flic qui va pouvoir reprendre ce ballon. Memory est là pour le stopper au milieu. Il arrive à remporter un duel très important face à Cipicol. Mist avec le contrôle, mais encore une fois, hein, très peu de ressources pour Mist qui fait le travail. Hein, néanmoins, il assure les challenges, il assure la relance. Cipicol là qui va fake un petit peu. Ouais, le petit backflip pour éliminer un premier joueur, mais c'est repris sans problème par Memory. Hein, on cherche le pinch et c'est parfaitement fait. Ouais, sublime de la part de Memory, le grand pinch. Timing parfait en plus, c'était sublime. First Killer, premier reset, deuxième, non. Oui, si, pardon, First Killer, évidemment, deuxième reset, mais pas une bonne position pour pouvoir s'en servir. Toupis qui va prendre le duel, Memory la passe. C'est ouais, sans aucun danger hein, pour les Faze. Bonne démolition là cependant. Là le danger, il a commencé à apparaître. Memory qui va essayer de chasser la défense backboard pour libérer le chemin de la double tap pour Parse. Ouais, très bien joué hein, de la part de Memory. Il va chercher le boost et derrière, on va chercher la tentative de bump. Mist qui était parti en squishy save mais qui backflip malheureusement pour lui et Parse qui assure le travail. Shopify répond bien à cette équipe de Faze. Hein. Ouais. Ça joue bien du côté des Shopify Rebellion. Attention à ne pas concéder le kick-off goal. Parse tout à la lecture, pas de soucis. Bah, je trouve que ça joue un petit peu moins bien techniquement parlant du côté des Rebellion. Il y a des petits touches de balles un peu chelous, des petits ratés on dirait en tout cas. Bah, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits ratés. Mais ça coûte jamais rien. Les Faze qui ne punissent vraiment jamais. Du coup, on s'en sort bien et le match est très équilibré pour l'instant. Allez, Memory qui va réussir à la remettre. Mist qui a réussi à intercepter, mais ça reste très dangereux parce qu'il va arriver devant Cipicol. First Killer pour défendre. Bis en retrait. Memory sur le backboard. Un premier joueur du côté de Memory. Il se fait démolir derrière, mais pas de souci. Parce qu'il arrive à prendre de vitesse. Mist Parse encore une fois pour faire la passe. C'est magnifique. Toupis, la frappe, elle est dedans. Quelle remontée du terrain des Rebellion. Ouais, très très joli travail hein, là de la part de Parse. Il a pas lâché et Mist, qui s'était avancé pour prendre le boost, se fait complètement surprendre et se pinch pour aller servir Toupis au second poteau est tout simplement parfait. Les Shopify Rebellion qui viennent prendre un but d'avance à 51 secondes de la fin de ce premier match. Ils ont complètement réussi à inverser la tendance. Et attention, parce qu'il y a peut-être un quatrième but qui se profile avec Toupis. Ouais, il retouche ce ballon. C'est pas une bonne passe pour Memory. Non, c'était pas une bonne passe. Je me demande même si c'était pas une tentative de double tap dans un angle impossible. En tout cas, on a tenté des choses du côté de Toupis, que ce soit une passe ou une frappe. C'est Cipicol, ouais, il va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, Mist. Va intercepter la balle au milieu de terrain. First Killer, je crois qu'il a obtenu un reset. En tout cas, Toupis qui va réussir à trouver un pinch pour dégager le ballon. Récupération de Cipicol, cut de Memory. Ce n'est pas cadré, dommage. On aurait pu punir et venir s'assurer, en tout cas, de s'offrir cette première game. Cipicol dans le corner, la double tap n'aura pas lieu. Il y a eu un petit bump sur Mist. C'est complètement open pour Parse qui l'a trouvé. C'est le 4 à 2, le break et à 9 secondes. Ça leur assure une avance très confortable. Ouais, ça leur assure la victoire, hein, n'ayons pas peur des termes. Du côté de Shopify, pas de Caster Curse. Ça n'arrivera pas les amis, je vous le dis d'ores et déjà. Maintenant, on va quand même suivre à la fin du match au cas où on ait une petite pépite qui pourrait venir glisser pour un top goal. Pourquoi pas sponsorisé, hein, bien évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez envie de sponsoriser les RLCS, à contacter Boyan qui se fera un réel plaisir de vous répondre et de négocier avec vous. En tout cas, Shopify, eux n'ont pas négocié hein, sur le premier match. C'était une victoire ou rien pour eux.
Ouais, magnifique, magnifique match en vrai, hein, de la part des Rebellion qui ont répondu parfaitement à un FaZe qui a pourtant tapé fort dès le début. Hein. On les a vus agressifs au début, les FaZe mettre un très joli but, le but de First Killer, à qui on n'a pas rendu honneur du tout parce que nous on a fait comme si c'était complètement normal alors que pour n'importe quel autre joueur on aurait crié, il faut le dire. C'est vrai. Donc désolé, First Killer, t'inquiète pas, c'était un très joli but. Mais derrière, les Rebellion, bah, ça joue très bien parce que j'ai trouvé excellent tout au long de la game. Toupis très bon aussi, mais Mori un peu plus de déchets techniques, mais ça n'a jamais coûté grand chose à FaZe, au Rebellion, pardon. Donc, ouais, une belle première game du côté des Shopify Rebellion. Ouais, moi je les trouve sobres dans ce qu'ils font. Voilà, ils jouent simple, mais. Efficace. Mais, voilà, c'est efficace, ils jouent bien. Il y a eu pas mal d'erreurs hein, quand même du côté ouais. de FaZe. Hein, de toute façon, pour concéder 4 buts, généralement, c'est que défensivement, il y a eu des lacunes, c'est sûr. Il va falloir faire mieux du côté de FaZe si on veut aller s'imposer face à ces Shopify Rebellion qui sont très surprenants. Ouais, très surprenant, c'est le cas de le dire. C'est la petite touche de fraîcheur de ce premier régional nord-américain. Ça fait plaisir de les voir là et ça fait plaisir de les